Bienvenue dans AfroBuzz Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa est réputée pour être le barbecue de la rumba congolaise et de l'art. Eh bien, ici, nous sommes sur le célèbre boulevard du 30 juin, précisément à la gare centrale de Kinshasa, derrière ce imposant monument de 1935. Ce monument ici signifiait la qualité du souverain belge Albert Ier à l'époque coloniale. Et ce monument est actuellement dépourvu de sa statue de Albert Ier, mais il en reste la structure avec ses deux colonnes. Et c'est ici que nous allons vous présenter les sommaires de AfroBuzz Kinshasa de ce premier numéro. C'est parti. Commençons par la découverte du musée national de la RDC doté d'une capacité de plus de 12 000 objets dont le xylophone est l'ancêtre du piano moderne. Ensuite, le spectacle Overstaying du témoignage de la jeune Congolaise Christiana Tabora qui a passé 5 jours en prison. L'affaire a fait le buzz sur le net. Christiana nous raconte ici ses calvaires. Enfin, la présentation de la couronne de Charlotte Sacré Miss Africa Malaysia 2019. Cette jeune fille de 19 ans a présenté son trophée à Kinshasa. Eh bien, comme je disais dans les sommaires, nous allons découvrir ensemble avec vous les différents objets d'art du musée national de la RDC, sans pour autant oublier d'ailleurs que ce musée a été conçu dans le but de conserver, de transmettre et de valoriser le patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. Nous avons avec nous Monsieur Fils à qui nous allons poser quelques questions. Bonjour. Bonjour madame. Dites-nous, ici nous sommes dans la salle 3, la salle qui est consacrée aux instruments de communication. Oui madame, ici nous sommes dans la salle des instruments de musique et des communications traditionnelles. Vous pensez que ces instruments sont ceux qui ont été utilisés par nos ancêtres africains ici en République démocratique du Congo? Oui, madame, ces instruments que vous voyez ici, ce sont les instruments que nos ancêtres ont pu utiliser pour faire passer les messages même en distance. Et comme vous le constatez, ces instruments ici, nous l'avons subdivisé en 4 familles. Vous avez la famille des aérophones, vous avez la famille des cordophones, vous avez la famille des membranophones, et ainsi que la famille des idiophones. Voilà. Et ces instruments permettaient à nos ancêtres, voilà madame, aujourd'hui nous avons les téléphones pour faire passer les messages, même en distance, mais à l'époque de nos ancêtres, c'était à travers les instruments de musique que vous voyez ici, qui étaient considérés comme leur moyen de communication. Cet instrument que vous voyez ici, c'est l'ancêtre des pianos. C'est l'instrument qui a permis aux Blancs de fabriquer aujourd'hui des pianos. Voilà, donc en Lingala, on l'appelle comme cela Madimba ou encore Anchiluba. Et en français, c'est les xylophones. Alors, nous allons sortir pour clôturer cette émission AfroBuzz Kinshasa. Dans ce nouveau numéro, nous allons voir un peu le thème de notre musée national de cette année, ou les thèmes de l'année prochaine aussi, pour ceux qui viendront, ils vont les trouver ainsi. Que représentent ces écrits que nous voyons sur le mur à l'entrée du hall du musée national? Oui, merci madame. Les écrits que vous voyez ici sont nos ethnies. Nous avons plus de 450 ethnies que nous avons présentées sous forme du fleuve Congo, juste pour représenter le thème principal de ces musées qui est vivre ensemble pour construire la paix. Présent, nous allons du côté de l'Institut français de la Gombe pour vous présenter le spectacle Overstaying. Il s'agit là de spectacle qui parle du témoignage de l'artiste congolaise Christiana Tabora qui a été incarcérée pendant 5 jours en Zambie pour une affaire d'incompréhension de visa. Cette affaire avait fait le buzz sur le net et aujourd'hui, Christiana nous raconte le calvaire de ce qu'elle a vécu en prison. Oh,
l'Institut français de la Gombe à Kinshasa où nous venons assister à la restitution de la résidence théâtrale Overstaying de la compagnie chinoise Dardar. Il s'agit ici du spectacle sur le témoignage de ce qu'ont vécu les artistes congolais en Zambie à Lusaka. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, ces artistes ont été incarcérés dans la prison centrale de Lusaka. Eh bien, ils sont en train de nous restituer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont eu. Et il s'agissait bien évidemment de problèmes de passeport et de visa, raison pour laquelle ils ont nommé leur pièce Overstaying. Je l'ai expliqué dans le spectacle. Donc, c'est une histoire de visa en fait. J'ai acheté un visa pour 3 mois, mais il y a une sorte de, il y a de malfaiteurs, on peut dire ça, qui sont à la frontière de Kasumbalesa et qui jouent des mauvais tours aux Congolais. Et donc, j'ai acheté un visa pour 3 mois, mais j'ai eu un séjour d'une semaine. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais bon, voilà. Et donc, j'ai fait 3 semaines en Zambie et quand je revenais, j'ai été arrêtée parce qu'ils m'ont dit que mon visa, je l'avais, mais ils m'ont dit que j'avais un séjour d'une semaine et je l'ai passé. Donc, c'était pas normal parce que j'ai acheté un visa pour 3 mois. C'était pas normal qu'on me donne un séjour d'une semaine. Et voilà. Et vous avez été finalement arrêté. Vous avez été maltraité en prison. Déjà à partir de... Mais oui, être en prison, c'est déjà une maltraitance. Être en prison pour rien, justement, c'est déjà une maltraitance. Mais aussi, il va voir ce qui se passe là-bas. Donc, tu passes 5 jours comme ça, tes programmes, ta vie, tout ça, tu lis tout, quoi. À découvrir ensemble avec vous ces sites intéressants de Kinshasa, la gare centrale du Congo, avec ses monuments imposants de 1939. Mais nous vous informons en même temps qu'à Kuala Lumpur, la jeune Congolaise de 19 ans a été sacrée, couronnée Miss Malaisie, Miss Afrique Malaisie en 2019. Charlotte était à Kinshasa pour venir présenter son trophée, ce trophée qu'elle a dédié personnellement aux femmes et aux enfants violés à l'est de la République démocratique du Congo et sans oublier aux victimes des inondations de Kinshasa. Suivant. Merci beaucoup, je suis très contente de revenir ici. J'avais manqué Congo. J'aime Congo, j'aime tout le monde au Congo. Mon pays se rebelle and I am so proud to be a Congolese. It is the best country to be born in. It's very nice, yeah, compared to the other one. It's much better, yeah. It's nice, yeah, thank you. Finir avec vous ce Tafo Buzz Kinshasa sur ce grand boulevard du 30 juin. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était pour moi un réel plaisir de vous le présenter. Je vous demande de nous retrouver au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.